Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo parce que ça y est, c'est le grand jour, c'est la première course du championnat Ifolette Arles, course numéro 1. Alors déjà pour la préparation de la moto pour ce week-end, j'ai reçu des autocollants pour mes sponsors. Donc on va les poser puis on va voir le rendu, bon, c'est parti. Bon bah déjà on va en poser ici, je vous mets un accéléré je pense parce que sinon ça va être long. Bon, poser les stickers, c'est fait. Mais maintenant, il y a un petit peu de mécanique à faire parce que je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais à l'arrière, il n'y a pas de plaquette. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, attendez, hop. Si vous regardez bien, ici, c'est plat. Et ici, c'est courbé. Donc du coup, à chaque fois, mes plaquettes, elles s'usaient de travers. Donc du coup, on a recommandé des nouvelles plaquettes et un nouvel étrier, mais on ne sait pas s'il va arriver aujourd'hui. Donc on va réparer tout ça et c'est parti. Et voilà, réparation sur la moto, elles sont faites. Puis bah, je vous donne rendez-vous demain pour la première course du championnat Ifolette. C'est parti. Pourquoi j'ai commencé à filmer seulement après le départ? Bah, tout simplement parce que après le départ, je me suis rendu compte que j'avais pas allumé la GoPro. Ah! Donc désolé. Voilà.
dimanche, ça s'est un petit peu moins bien passé. J'ai terminé dernier parce que je suis tombé deux fois. Oh non, pas ça. La première fois, c'était moi. La deuxième fois, c'était pas moi. Alors c'était pas de ma faute. Mais sinon, j'ai kiffé grave. C'était trop bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi j'ai trop kiffé, c'était trop bien. J'ai découvert aussi ce que ça fait de rouler à 40 sur une piste. Ah, ça change de quand j'étais en 85 à 8 sur une piste, c'est pas du tout la même chose. J'ai encore 2-3 petits trucs à revoir pour que je roule un petit peu plus vite et que j'applique bien toutes les bonnes positions, parce que c'est pas encore ça. Enfin voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la course de Maricourt. Et puis pareil, il y aura une petite vidéo pour une vidéo comme celle-là pour expliquer le résumé de la course. Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus.